Gagnant de la saison 7 de Nouvelle Star, Son n'est pourtant pas apparu dans le prime célébrant les 20 ans de l'émission. Il explique les raisons de son absence à Télé Loisirs. Si est-ce depuis l'Italie que Son a accepté de répondre à nos questions. Le chanteur, gagnant de la 7e saison de Nouvelle Star, fourmille de projets en ce moment et passe la moitié de son temps de l'autre côté des Alpes. Là-bas, il est en pleine création d'une marque de vêtements qu'il est en train de dessiner en collaboration avec une couturière italienne. Mais la musique n'est jamais très loin puisqu'il prévoit également de faire quelques concerts devant le public italien. Je m'ennuie vite, donc j'essaye de faire plein de trucs différents, relate-t-il. L'artiste est actuellement en tournée dans le cadre du Négligé Chic Tour afin de défendre son 7e album, sorti en octobre 2022. Nouvelle Star, 20 ans, il fallait que je repousse deux dates donc c'était compliqué, justifie Son parmi toutes ces choses, participer aux 20 ans de Nouvelle Star n'était pas une option. Interrogé par Télé Loisirs, la production a indiqué que Son n'avait pas été convié à l'anniversaire de l'émission, ce que confirme le chanteur, avant de préciser qu'il avait finalement été contacté dans un second temps. Comme je sortais un album au même moment, je pensais qu'il était question de jouer un truc de ce que je fais maintenant. Ils m'ont expliqué que c'était plutôt pour raconter les souvenirs et refaire ce qu'on a pu faire dans l'émission. J'étais en tournée, il fallait que je repousse deux dates donc c'était compliqué. Ce n'était pas vraiment le moment et je n'avais pas envie de retourner faire des reprises, témoigne-t-il. Son est passé à autre chose depuis sa victoire à Nouvelle Star en 2009 à l'époque de son inscription, Son ne s'était pas renseigné sur les tenants et les aboutissants d'un format comme Nouvelle Star, qu'il n'avait jamais regardé auparavant. Je me sentais inadapté, j'ai manqué de chaleur humaine, analyse-t-il 14 ans après sa victoire. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose, je n'ai aucune haine contre eux. Je suis passé à autre chose, je suis papa, j'ai une vie cool, sourit-il. L'absence de Son à l'occasion des 20 ans de Nouvelle Star ne signifie pas qu'il n'apparaîtra plus jamais à la télévision. Si si est-il pour parler des cancans, je n'y vais pas. Si si est-il pour parler de musique, je suis sur le coup. Parler de moi, je l'ai assez fait pour 12 générations. Je crois que les gens savent qui je suis depuis le temps donc je n'ai plus besoin d'en parler, remarque-t-il. À lire aussi Nouvelle Star, Thierry Amiel, Jonathan Serrada, Steve Estatoff, Myriam Abel. Que deviennent les candidats?